Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Scrap Mechanic. Voilà, aujourd'hui on arrive au deuxième épisode de ce projet, hein, spécial ville des abonnés. Donc je disais ville des abonnés. Ah voilà. Village des abonnés. Avec les deux prochaines maisons, hein, puisque comme je vous avais dit, j'avais déjà enregistré au préalable des maisons, enfin les épisodes, mais comme un con, j'avais oublié d'activer mon micro dans le logiciel de capture, bien sûr, ce qui m'a un peu fait rager. J'ai failli laisser tomber le projet, et qui au final, n'ont servi à rien. Voilà, on a perdu une heure et demie de son temps, de sa vie, quoi. Voilà. Donc on se retrouve devant la maison de Zianto, hein, modérateur du stream BBTV, qui nous a fait une petite maison fort sympathique. Hein. Il y a juste un truc que je lui avais demandé, enfin que j'avais demandé à tout le monde d'ailleurs, c'était de ne pas dépasser la limite du truc, mais il l'a quand même fait. Hein. Lui, c'est incroyable. Vous lui demandez de ne pas dépasser, vous pouvez être sûr qu'il va dépasser la limite de la plateforme. Voilà, il avait fait ça de ce côté-là, mais il avait aussi fait ça de l'autre côté. Heureusement, hein, heureusement, j'ai un peu modifié le truc, j'ai su coller ça sur le contre le trottoir. Voilà. Donc, petite maison sympathique, hein, aux couleurs de Noël, bien sûr, avec les guirlandes lumineuses qui sont allumées, bien sûr. Petit balcon avec un petit canard sur le balcon. Petite terrasse. Avec deux tasses, hein, sûrement pour son pote Eudis Studio. Hein. J'ai laissé la place pour ta maison ici. Je voulais l'installer, mais il y a un gros problème, c'est que je n'arrive pas à la placer. Voilà. J'arrive pas à placer ta maison dans le sur la map. Si tu veux, je te montre. Directement montrer ça, comme ça au moins directement t'es fixé. Voilà, maison Eudy Studio, build. Voilà. Invalid Jason. Alors, je te parle pas de Jason de vendredi 13. Hein. Mais voilà. Quand je veux essayer de build, voilà, il me met ça. J'ai laissé la place pour que tu sois à côté de Zianto, hein, pour que vous ayez, vous sachiez vous parler quand ce sera le moment. Donc on va visiter la maison de Zianto, puisqu'il nous a fait une belle petite maison avec bien sûr marqué White Cochon et Jack. Jack bien sûr tout à fait en dessous, hein, c'est normal. Alors. Petite porte qui s'ouvre vers l'extérieur, c'est pas grave. Voilà, maison très spacieuse avec porte bleue, bien sûr. Ça se, c'est très courant de nos jours. Grèce. Des volets, hein. C'est ce qu'il faut. Il faut des volets. Alors petit logo Windows ou je sais pas. C'est peut-être un cadre. Je sais pas. Un sapin de Noël avec un pied et une botte. C'est pas mal. Et bien sûr les cadeaux de Noël. Joyeux Noël au passage, hein, les gars, parce que j'avais complètement oublié. Oh, excellent, quoi! Ça, j'avais pas vu. Terrible. Ah, par contre, ça fait du bruit, hein, ton machin. Bon, les boules de Noël, hein, qui sont très représentatifs de ce sapin de Noël avec un pied et une botte. Le petit four qui va bien. Voilà, qui s'ouvre. Nickel. Que faut-il de plus, hein? Que faut-il de plus? Bien sûr, un frigo. Un frigo rempli de crème fraîche et de canard. Haha, excellent. Et des glaçons pour compléter tout ça. Terrible. Franchement, bien foutu. Bien foutu et bien pensé. Par contre, il y a une tasse ici, c'est normal. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai cassé le truc. Bon. Alors, on va continuer notre petite visite au rez-de-chaussée. Ouais, on a le petit salon avec le petit canard, la petite tasse qui va bien. La télé LCD, pardon. Et les enceintes sur le côté, hein, bien sûr.
une petite étagère qui propose un petit canard, une petite tasse et un petit pot de fleurs. C'est plutôt pas mal fichu, ça. Voilà. On va éteindre tout ça, puisque ça prend de la mémoire pour rien. Donc, on va éteindre tout ça. Voilà. De l'autre côté, encore des volets. Voilà. Donc, des volets un peu partout. Et on va aller voir là le deuxième étage, hein, enfin le rez-de-chaussée. Ou la rez-de-chaussée. Non. Là, c'est le premier étage. Voilà. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et ça, c'est le premier étage. Premier étage très spacieux, avec bien sûr des lumières rouges, je sais pas pourquoi. Et un canard qui fait... je sais pas pourquoi. Ah! Je pense que je sais. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Alors là, on a une salle de bain avec tout en rose, nickel, pour faire caca. Petite baignoire pour laver son cul. Petit lavabo avec, je sais pas, il y a des batteries de bagnole en dessous du lavabo, je sais pas pourquoi. On va fermer tout ça hein, parce que sinon les gens vont voir qu'on est tout nu. Et c'est pas le but, hein. La luminosité, excellent. Bien joué, ça. Bien joué, Dianto. On va éteindre tout ça parce que sinon ça va bouffer de la mémoire pour rien. On a bien sûr la chambre à coucher avec lampe de chevet et table de chevet. Voilà. Impeccable. Petite bibliothèque sympathique avec des livres pour lire. Hein, bien que les jeunes ne lisent plus de nos jours. Donc ça ne sert à rien. Lumière qui va bien. Voilà. Et la porte qui se referme, impeccable. Alors là, Anto, il faudra me dire ce que tu nous as fait là. Parce que là, dans l'épisode que j'avais enregistré pour rien, sans ma voix, je m'étais dit, mais merde, c'est quoi ça? Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'est peut-être... Non, en fait, non, je sais pas. Voilà, en fait, je sais pas ce que c'est. J'ai du mal à comprendre, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excellent, quoi! Excellent! Le truc de Noël! Avec les... Ouais, c'est le traîneau du Père Noël, quoi. Excellent! Terrible! Bien! Faudra mettre des rênes, hein, parce que... Sinon, ça va pas le faire. Alors... Merde, je dois redescendre, je dois refaire tout le tour. Chier! Alors, où on est? Ouais, on est ici. Donc, voilà, Zianto a quand même taffé sur sa maison. Petite commode bien sympathique. Avec, bien sûr, de la lumière. Voilà, sympa. Donc, on se retrouve ici avec une porte... Enfin, en fait, il n'y a pas de porte ici, en fait. T'as mis où la porte, Anto? C'est un garage ou... C'est quoi le délire? Bon, c'est pas grave. Enfin, la maison de Zianto est plutôt jolie, sympa. Je dois dire, voilà, c'est nickel. Et on va directement passer à la maison d'à côté. Enfin, la maison d'à côté pour l'instant, puisque voilà, notre ami Eddy Studio n'a pas réussi à me refiler une version potable de sa maison, donc... Voilà. Donc ouais, Anto, nickel. Franchement, ta maison Psartek. On va dire... on va dire que t'as fait le taf, quoi. Voilà. T'as fait le taf et je kiffe. Voilà. Et elle mérite, bien sûr, d'être dans la ville des abonnés. Voilà. Alors, maison suivante, c'est la maison de Brioche 205. Je sais pas s'il est fan de Peugeot 205 ou de GTI. En tout cas, il nous a fait une toute petite maison, enfin une toute petite maison, une toute belle petite maison à sa manière, voilà, version ancienne. Donc je vais vous lire un peu le descriptif, hop. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où ma maison? Elle est où? Voilà,
Salut BBTV, j'ai construit cette maison dans un style ancien pour le village des abonnés. Je te remercie, Brioche. Alors, déjà, on peut voir que la maison est plus petite que la plateforme, ce qui ne me déplaît pas du tout, puisque j'avais demandé d'être dans la limite du raisonnable, hein, de ne pas dépasser. Et notre ami Brioche a réussi à nous faire une maison encore plus petite que ce que j'avais demandé. Donc, ce que je vais faire, bon, on va rendre visite. Hein. Déjà, ce qui me plaît, c'est sur le côté, la tuyauterie et air conditionné et tout team. Hein. Voilà, la gouttière. Enfin, le... Ah non, je pense que c'est pour le feu. Pour la hotte. Ouais. Architecture très sympathique. Hein. J'aime bien ce genre de maison. Ouais, je kiffe. Alors... Ça, c'est déjà un très bon point. Regardez. Donc, quelqu'un qui a au moins utilisé les portes logiques, hein, c'est quelqu'un qui mérite le respect, quoi. Voilà. La porte logique, tu l'as foutue où? Attends, je vais directement voir. Ah ouais, tu l'as foutue là-dedans, quoi. Excellent. Donc, porte logique, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Essayez de la retrouver ici, voilà. Ça, c'est une porte logique. Qui permet d'activer deux interrupteurs d'un côté ou d'un autre pour ouvrir une seule chose, pour activer une seule chose. Alors, vous pouvez faire tout avec des portes logiques, hein. Vous pouvez même créer des horloges digitales avec les portes logiques. Voilà. Mais franchement, nickel quoi, nickel. Donc, à première vue, petite radio. Ok. une petite hotte avec une cuisine, nickel, avec bien sûr la gazinière ou comme on l'appelle chez nous, la cuisinière. On a le lavabo avec la petite armoire en dessous, hein, nickel. Juste un petit défaut, voilà, peut-être pour bientôt. Mets des lampes dans tes maisons parce que ça me semble très logique d'avoir de la lumière dans une maison, même si même s'il fait jour. On sait jamais, un mode nuit pourrait apparaître dans pas longtemps, hein, et on serait mal barré sans lumière dans une maison. Voilà. Donc petite salle de détente ou living, comme on pourrait dire, avec le petit cadre raft. Hein. Petite salle à manger, voilà. Chez moi, tout est petit, hein, donc... mais ici, c'est vrai que c'est petit. C'est petit, mais c'est nickel, quoi. Putain, j'ai bugué. Ouais, franchement... Oh, le feu ouvert avec le petit canard dessus. Impeccable. Voilà. Le concept de feu ouvert dans un coin, j'adore. J'adhère et j'adore. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Les chiottes. Excellent. On peut faire caca. Ah ouais, manque de lumière. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. C'est peut-être le seul défaut que j'ai à te donner à ta maison, c'est le manque de luminosité dans ta maison. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. On va dire que, voilà, c'est un oubli. C'est un oubli comme un autre. Allez, hop, on monte. Petit escalier en coin, en angle. Hein. Escalier en angle avec un petit palier. Pourquoi je kiffe? Tu mérites mon respect parce que ça me rappelle mes études, quoi. Donc voilà, c'est un beau petit escalier nickel, quoi. J'aime bien ce genre d'escalier, voilà. Alors petite commode avec super canard, voilà. Et 4 tiroirs et ça rime. Une petite plante sympa. Alors ça c'est quoi? Ça ouais, ça c'est les deux autres chambres. Ça c'est quoi? Oh, excellent. Ah ouais, pour s'en faire. Oh putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Impeccable. Donc on se retrouve oh, un baby foot. Oh, un baby foot. Rien que pour ça, tu mérites mon respect, l'ami. Parce que t'as travaillé vraiment dans le détail. Hein, les gens qui prennent leur temps à faire leur maison,
Pour moi, c'est, ils méritent le respect. Voilà, tout simplement. Voilà. Rien que la petite, l'escalier déjà. Regardez, l'escalier, il s'est quand même cassé la tête pour aller faire un escalier en angle, alors qu'il aurait pu le faire droit. Mais non, il a fait en angle, tout simplement. Le baby-foot avec les petits canards, les petits canards qui font office de joueurs. La petite entrée pour essayer de chercher la baballe, qui est bien sûr de chaque côté. Le truc pour compter les points. Non, franchement, bah là encore, hein, manque de lumière, mais bon, c'est pas trop grave. Maison suivante, enfin, maison. Maison suivante! Non, non, je déconne. Chambre suivante. Petite chambre d'amis, je pense, puisqu'elle est assez vide. Petite armoire sympa avec des moulons qui font office de ben, probablement de poignée. Franchement, ouais. Table de chevet qui est sympa. Voilà. Il faut pas plus, hein. Faut pas plus, les gars. Pas trop vous prendre la tête à faire des petits bazars pas surpeuplés ou surenchérir sur ce que vous avez déjà réussi à faire. Essayez de rester sobre dans vos trucs, quoi. Voilà. Ah, c'est peut-être ça la chambre d'amis. Alors, bleu, blanc, rouge, noir, jaune, rouge. Merci, 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 merci. Il a pensé à nous. Je te remercie pour le petit clin d'œil. Hein? Encore un qui a trois pieds ou trois jambes ou trois pieds. Ouais. Qui a laissé ses trois pieds dans ses trois chaussures. Ouais, nickel, franchement. J'aime bien. La couleur aussi, j'aime bien. Voilà. Couleur un peu bordeaux comme ça, bordeaux, ouais. Donc notre ami Brioche 205, bah, je te remercie pour le travail que tu as fait. C'était un vrai plaisir de visiter cette petite maison. Sur ce, je pense que j'ai terminé avec les deux maisons suivantes, hein. Donc on avait d'abord celle de notre ami Sirian, la station essence. Oula, j'ai fait une petite bourde là. Voilà, impeccable. Donc ma station essence en premier épisode. Deuxième épisode, ben, ouais, bien sûr c'est celui-ci, avec la maison de Zianto et celle de notre ami Brioche 205. Donc on attend avec impatience la maison de E10, parce que en démo, ben, vous pouvez déjà le voir en démo, voilà, les cartons. Et sur ce, ben, moi je vais vous laisser puisque c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode Scrap Mécanique sur le village des abonnés, ou la ville des abonnés, c'est comme vous voulez. Et n'oubliez pas que vous pouvez liker nos vidéos. J'ai fait quoi là? Vous pouvez liker nos vidéos, vous pouvez partager, vous pouvez aussi vous abonner si l'envie vous prend. Commentez, hein, si jamais vous avez des commentaires concernant les maisons qu'on vous a montrées dans l'épisode. Et bah, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!